Bonjour à tous et bienvenue sur Cocombre TV. Et comme le dit cette étiquette, la vidéo va être simplement bon et bio. Alors je vous avertis tout de suite, c'est un calibre 400 grammes. Alors je vous invite fortement à lâcher votre plus gros pouce bleu et votre meilleur cocombre dans les commentaires. Ou sinon ce cocombre va finir dans ton cocombre. Ta tête va finir dans son... Vous êtes vraiment sûr que vous voulez en arriver là? Oh, vraiment, tu ressembles à toi. Ah, super. L'autre, il ressemble à Boudet, enculé. Oh. Chiche. Chiche. Hé, hey, les gars. Ça va? Voilà. Ouais, et vous? Ouais, ça va, tranquille. Ah, j'ai un souci, les gars. Ouais. Ah, c'est gênant, mais vous êtes des mecs, donc faut que je vous en parle. Vas-y. Ah, mon concombre, il est pas assez long. Ah non, mais c'est vrai, rigolez pas. Non, mais eh, moi je suis gêné de vous en parler, hein, en vrai. C'est la nature. Ah non, gros, ça c'est pas la nature, le machin il est plus assez long là. Oh, t'es un pauvre. Salut. Ça va? Ça et toi? Bah ouais, vous faites quoi de beau? On parle à des gens. Ah. Et vous. Après, vous êtes des filles, vous saurez pas, mais. J'ai un souci technique. Quoi? Bah disons que mon concombre il est coupé en deux quoi. Bah non mais c'est vrai. C'est gênant de vous en parler. Non mais regarde, il est coupé en deux en vrai. Oh, oh. Ah non mais c'est pour ça qu'il fallait. Ah ouais non mais c'est mon concombre là que je te parle. Déjà t'as coupé ton concombre dans un petit plastique. Non mais il s'est coupé tout seul. Je me suis mis dans le cul, c'est coupé, j'ai pas compris. Non c'est trop bon. Qu'est-ce que tu pourrais faire comme son là tout de suite maintenant? Bah je pourrais faire ça éventuellement. Je rajoute ma petite pointe de sel, vas-y. Nickel! Ça va? Bah ouais! Tu vois, là j'ai un calibre 400 grammes et je peux te dire que. Eh ça! Il a entamé, genre qu'est-ce que t'as fait avec? Bah écoute, je l'ai secoué et il s'est arraché. Bah écoute, premier prix. Ça, ça vient de Chine, ça c'est sûr. C'est moi qui te le dis, mon gros, ça vient de Chine. Pas sûr! Je le sais, j'ai l'œil pour ce genre d'armes. Ah bah je me doute, hein. Après, s'il vient vraiment de Chine, il tient toujours, quoi. Tu vois? Non, mais il va pas tenir longtemps, mon gros. Oh, y'a moyen. Quand tu vois le petit bout, il est dans sa ligne, comme ça, pour voir si ça va bientôt la chine. Oh, après, on verra, hein. Si t'es un pote, tant pis. Hein. Ouais, ça se pas la laine. C'est du remplacement, ça me convainc. Nicolas, dans ces bouts-là. Ah, je me doute. J'ai le cas d'aider, il avait acheté une carotte pareille. Il avait acheté une carotte, de coup. Et ben, il me dit, tu vas voir, je vais la traîner pendant deux semaines, la carotte, pour convainc. Et finalement, il est arrivé 2 mois plus tard, la carotte, elle était dans son lapus. Tu m'as dit, putain, c'est bien du matériel chinois, ça sert vraiment. Aïe, aïe, aïe. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va nickel. Eh, dis, est-ce que t'as déjà eu ce qui m'arrive là maintenant, en fait? Genre quoi? Genre, t'as déjà fait de la salade? Ouais. Ouais. Ça t'est déjà arrivé de te couper le concombre ou pas? Eh, bonjour. Bien, bonjour. Dis-moi, est-ce que t'aimes les concombres? Moyen. Moyen? Ouais, hein. Là gros j'ai pas la taille moyenne, là va falloir que tu fasses avec. Ah il est un peu cassé hein, mais t'inquiète hein, ça se remet hein. Genre je te le mets jusque là tu vois, et je te mets le bout juste après. Non mais faut tester des choses tu vois, c'est pas question d'être gay ou quoi, c'est une question de principe. Dis-toi que si ça rentre, tu peux réaliser n'importe quel rêve tu vois. C'est un concombre magique. C'est vrai en plus. Baguette magique, le machin. C'est assez gros pour une baguette quand même, donc. C'est pas grave. Tu fais abracadabra et puis c'est bon. Ah bah voilà, t'auras juste à faire abracadabra et pouf, voilà, dans ton cul, tu vois. Donc t'arrêtes, frérot, faut que t'ailles dans un marché ou une connerie dans le genre, tu vendras ça et t'as rapidement. Un concombre spécialement pour le cul. Hé hey. Hey.
Est-ce que vous aimez les concombres? Oui. Et bravo les concombres! Voilà! Hé! Hey. Hey! Salut à tous les amis! C'est David d'Apporte Pokémon! Ça va bien? Ça va bien et toi? Est-ce que t'aimes les concombres? J'adore ça! J'ai pas entendu! Est-ce que t'aimes les concombres? J'adore ça! Ah! C'est ça qu'on veut! Tu me donnes envie de bouffer des concombres là! Putain! Voilà! Bien sûr! Ça va non. Bien! Ça y est, tu me donnes envie d'acheter des concombres maintenant! Achète! Putain! Ouais, bah c'est un vrai. Bah là, c'est un peu la dèche. Mais demain matin, promis! T'as raison! Mais putain, tu m'as donné envie, putain! Achète des concombres, mets-les-toi! Franchement, j'en suis sûr, tu peux t'en mettre 4 dans le cul! Sûr! Honnêtement, ouais, vraiment! À l'échauffement! À l'échauffement? Ah ouais, parce que toi, pur! Ouais. Eh, moi, je m'en mets au moins 6. 6, ah, mais direct, tu vois. Petit joueur. Ah, mais 6, c'est bien, tu vois. Ouais, c'est tout bien. Après, tu vois, ton intestin, il fait 4 mètres de long. 6, je trouve que c'est pas assez, tu vois. 4 mètres de long, 6 concombres. Ouais, ça va, ça. Non, non, mais ça va. Non, en vrai, je pense, si vraiment tu t'entraînes bien, je pense, honnêtement, tu passes à avoir des 10, vraiment. Ah, franchement, ouais. Ouais, je pense. Non, en vrai, t'as l'air bon. T'as l'air d'être un bon joueur. Hé! Hey comment t'es pas gentil? Eh, vous aimez les concombres? Vas-y, c'est bon les concombres. Vas-y, vous vous en mettez combien dans le cul ou... je sais pas, une dizaine. Bah vas-y, viens, on va tester maintenant. Vas-y. Donne ton cul, je vais t'en mettre. Vas-y, viens. Bah, il en a vraiment envie. Bah, je suis mort. Oh là, toi t'aimes les légumes, toi. T'aimes bien les cornichons? Les concombres? Ah, toi, tu dois pas manger que des légumes, toi. Ouais! Non, pardon. Ça va? Est-ce que vous kiffez le concombre? Ouais. Non, non. Eh ben, gueulez-le! Faites-vous plaisir! Non, non! Le malaise d'oreille, personne. J'aurais pas du miel. Il y a des regrets. Eh, salut! Salut, comment tu vas? Bah, ça va et toi? Dis, j'ai une question rhétorique à te poser. Dis-moi. À ton avis? Tu préfères quoi entre un concombre et un cornichon? Cornichon, c'est des trucs plus petits, non? C'est, ouais, c'est ce que tu manges aussi, ouais. Honnêtement, aucun des deux. Franchement, allez, entre, on va dire le cornichon et le concombre, tu préfères quoi, en vrai? C'est la même chose. Ouais, mais si tu l'as dans le cul, c'est pas la même chose, hein. Vous voulez toujours concombre ou pas? Concombre. Ouais. Allez. Toi, t'aimes les concombres? Voilà, les concombres dans le cul. Ah, tu kiffes, hein? Ouais. Ouais. Allez, moi, je te le mets comme ça, en vrai, hein, tu vois. Pouf. Ah ouais, moi, je te fais un tour de magie direct. T'inquiète, ma daronne, elle m'a toujours dit 5 fruits et légumes par jour. Bonsoir. Toi tu kiffes les concombres. Toi tu kiffes les concombres. Tu préfères un concombre ou un cornichon? Cornichon. Ah c'est plus petit hein. Ouais. On t'a vu. C'est pas bien. Attention. Non. Quoi? Non, si t'as dit oui, t'aimes bien cornichon. Oh! Oui, mais j'aime bien cornichon, mais au goût, pas forcément pas la bite. Non, mais je parlais du goût, moi. C'est quoi de ces gens? Vous êtes... Non, mais franchement, c'est quoi ça? Hein? Moi, je parle du cornichon, je parle du machin comme ça, là, tu vois? Ce que tu peux manger. Ça s'appelle un concombre. Enfin, bref, on n'est pas là pour. Hein? Ok? Ce concombre-là, il est à manger. Merde! 5 fruits et légumes par jour. Moi j'ai 5 ans. 5, 21 ans. 20, 25 ans. Ouh! Oula! T'as 25 ans? J'ai 25 ans. Oh, ok, on dirait que t'es un youtubeur. Effectivement. Mais là n'est pas la question. Moi je suis là pour te parler du concombre. Ok. Oula, ça bug. On va faire une dissertation sur le concombre. Vas-y, on fait une dissertation sur le concombre. Le concombre peut aller jusqu'à combien en termes de centimètres? Attention, moi je sais exactement. Combien? 3.
31. Attends, il manque un bout, mais... Ouais, on va dire ça, ouais. Moi, j'ai vu 18 cm. Du coup, je me suis dit, ah, bah, tiens, il y a comme un air de ressemblance. Enfin, bref. 31, tu dis. Bah, écoute, c'est bien, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est drôle. Merci. Mais là n'est pas la question, une fois de plus encore. On est là pour parler du concombre. Tu sais qu'il y a deux bouts dans le concombre. Là, il y a un bout, là. Là, il y a un bout, tu vois. Ah ouais, bah disons que, en fait, tu vois, je l'ai tellement secoué, je l'ai secoué comme ça, en fait, je l'ai pris à deux mains, je l'ai secoué. Et en fait, tu vois, il a fait, au bout d'un moment, il s'est dit, je veux faire ma vie. Et voilà, il est tombé, tu vois, c'est dommage, hein. Ah c'est vrai, je l'ai pris à deux mains comme ça, tu vois, et je sais pas, il a lâché, c'est tombé. Tu fais des cours avec ton concombre ou quoi? Je fais des... Non, bah après, tout à l'heure, j'ai voulu essayer, tu vois, et en fait, ça s'est arrêté, bah, tu vois, là où ça s'est cassé. Voilà. Voilà, j'ai essayé, mais bon, au bout d'un moment, ça rentrait plus, tu vois, donc, je l'ai pris à deux mains, tu vois, comme ça. J'ai essayé d'y aller à fond, et au bout d'un moment, bah, ça a fait... Ah, la vérité, tu vois, et en plus, c'est encore tombé, l'enculé. Putain! Impossible, hein. Je suis triste. En vrai, il se serait pas cassé, tu vois, les 30 cm, je les mettais. Dans mon assiette, hein, dans mon assiette. Hein. Attends, ouais. comme si j'allais me les mettre dans le cul. Franchement, hey, hein. Non, t'es pas. Je me mets des concombres dans le cul, moi aussi. Ah ouais, je peux parler, ouais. Ah ouais. Ah, si tu veux, je vais en acheter 50, hein, y a pas de problème. Éleveur de concombres. Moi, je suis éleveur de concombres, je deal des concombres. En bas du mon bâtiment, je deal des concombres. Je te jure, je fais, allez, 20 balles le centimètre, hein. En vrai, il y a moyen, tu vois. Je monte dans le basset, moi je vends des concombres, tu peux pas sur ça. Tu sais, moi au bout de deux concombres, je suis mort. Alors imagine à 10. Imagine, 10 concombres. T'as filé ou... Ah bah ouais, on n'a pas le temps, hein. Faut y aller comme ça, tu vois, direct. Fais une vraie fin de vidéo, une bonne fin de vidéo. Bah, abonnez-vous à Malcolm parce que c'est cool. Abonnez-vous à mon Instagram aussi parce que moi je passe ma pub. Et live concombre quoi. Genre qui fait les concombres dans ma vie. Tu fais, en fait tu te fous de ma gueule ou tu fais juste le con? Parce qu'on dirait que genre tu t'attends. Les deux. Abonnez-vous, c'est cool, c'est drôle. Abonnez-vous à mon Instagram et regardez les autres vidéos. Live concombre! Là, je concombre surtout. Voilà. Je vais prendre vos concombres pour ma CE maintenant. Je vais concombre aussi. Bref, ciao, peace, peace and love, peace and concombre. Et je vous kiffe tous. Bisous. C'est pas moi le youtubeuse à la base, c'est toi, mais sans pas les couilles. Comme vous avez pu le voir, si vous avez adoré la vidéo, mettez un gros pouce bleu et dans les commentaires, si vous avez été jusqu'au bout de la vidéo jusqu'ici, mettez en gros dans les commentaires Life Concombre, je veux le voir en masse. Merci à vous infiniment d'avoir pu suivre cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, merci à vous et n'oubliez pas, la connerie n'est jamais finie. Merci beaucoup. Ciao tout le monde.